Bonjour à toi et bienvenue sur Canout Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette nouvelle semaine pour donc ta vidéo Nakama. Cette semaine, j'ai réalisé mon premier sondage via Twitter afin que tu choisisses donc le thème de la vidéo. Et à 35%, vous avez choisi le retour de la Mia. Naninaninanana, je danse la Mia. Non, c'est pas tout à fait ça, Canout, là. In Asia, qui s'est déroulée à Bruxelles ce week-end du 8, 9 et 10 mars à Bruxelles, avec donc ce merveilleux programme que nous allons regarder donc ensemble. Donc, la Mia, c'est quand même beaucoup de stands, écoute, franchement. Déjà, quand tu déplies, tu as donc à peu près, donc, et eh bien donc le hall des restaurants, le hall 4 où tu vas retrouver donc tout ce qui était figurines, le hall 5 où ça va être donc les magasins, faire attention aux contrefaçons, le hall 6 c'était donc tout ce qui était jeux vidéo et le hall 7 un peu du YouTube et ben, des jeux également. Donc je te montre un petit peu ici, tu vois le planning que je m'étais organisé pour voir un petit peu donc ce qui me plaisait, de ce que je voyais sur le programme, sur internet quand j'ai réservé les places. Donc tout s'est très bien passé, le parking très facile d'accès, 10 euros la journée, bon c'est raisonnable, la place 16 euros, ça va, hein, c'est pas excessif, et... Donc au départ, donc, tu arrives, comme j'avais réservé les places, je n'ai pas eu à faire les 2 km de queue pour faire valider ou acheter mon ticket. Et puis donc ben voilà, hein, on est arrivé dans les allées. Alors pas au départ, pas très évident de se retrouver, de trouver ce fameux hall 4. Car moi, si tu veux, ce que je voulais faire vraiment en premier, c'est rencontrer Tony Valente, le créateur mangaka de Radiant. Car déjà, on va le rappeler, c'est quand même le premier mangaka, le premier créateur de BD français qui travaille au Japon et qui a sa série animée aujourd'hui et diffusée au Japon. Donc franchement, au départ, on se dépêche. Je vois là le stand Ankama. J'ai fait, c'est bon, c'est là. On avait dit sur Internet 60 à 70 personnes. Si vous voyez plus de monde, c'est pas la peine, ne vous arrêtez pas. Et bien, Canout, elle compte. Canout, elle voit quoi? Elle voit... Allez, 18 personnes, sauf que la file était coupée. Je me dis, non, comment ça, 18 personnes, c'est fermé? Oh, moi, je veux voir Tony, donc je vais me faufiler très discrètement en dessous. Le personnel, la demoiselle très charmante, donc d'Ankama, elle me dit, excusez-moi madame, mais je sais très bien que la file s'arrête à ce monsieur et Tony a des interviews. Hier, il a signé près de 7 heures de dédicace le vendredi. Donc, je vous invite à revenir à partir de 13h30, 14h afin donc d'être dans les premières files et d'avoir une chance d'avoir donc une dédicace de Tony. Chose promis, chose due, j'étais également voir donc les copains ici, donc des amis de ma déesse. Franchement, donc c'est une super association qui vous crée, qui fabrique des duos autour d'une figurine. Franchement, c'est du travail de pro, c'est merveilleux. Donc je leur fais réellement de la pub, je vous invite à aller visiter leur page Facebook et Instagram, les amis de ma déesse. J'ai la chance d'avoir rencontré donc le président maori qui est d'une simplicité et un passionné que ça fait vraiment plaisir à voir. Donc très honnêtement, toutes les photos que vous allez voir ici là sur les duos que je vais vous présenter donc viennent donc de l'association Les Amis de ma Déesse. Je vous invite à aller voir leur page Facebook et Instagram. Franchement, ils font du bon boulot. Ils sont sympas et leur stand, franchement, le stand était très bien tenu, il y avait de toutes sortes, donc aussi bien du Club Dorothée, des consoles, du rétro gaming, du One Piece et également des séries. Donc je vous invite à aller les voir. Il y avait aussi un parcours One Piece organisé par l'association Belgotaku. Alors très bien organisé, des petits stands. En fait, il fallait donc trouver les bonnes réponses afin d'avoir la chance de sauver les Mugi de la prison.
Donc ici, c'est une feuille naturellement vierge hein, que j'ai voulu bien pour vous montrer. Et c'est quand même un bon travail. Je tiens à saluer donc le travail également de cette association. Car tu avais des jeux de réflexion, des petits un mini parcours, etc. Et à chaque fois, chaque salle, tu validais le Mugi. Midi arrivant très vite, après tu as faim. Donc, qu'est-ce que tu manges en Belgique? Ben, c'est logique, hein, tu vas manger de la frite. Hein, et puis, ben, avec une fricandelle, dis donc, hein, pas un peu de ketchup, c'était très bon. Alors, le menu à 8,50€, boissons comprises. Pour une convention, je trouve que les prix sont très honnêtes. Même un café à 2,50€, qu'il soit petit ou allongé. Perso, moi, je trouve que les tarifs sont raisonnables pour une convention. Hall 4, il y avait quoi? Il y avait bien sûr le stand One Piece Passion tenu par le doc. Alors, bah là, il n'y a rien à dire. Hein. C'est pas faire de la lèche, c'est pas du tout... aller dans le sens du poil, comme on dit chez moi, mais tu arrives. Moi, qui ne collectionne pas de résine, je tiens à le dire, moi qui ne collectionne pas de résine, tu arrives. Enfin, déjà, t'as le NR. La Big Mom, même si on se dit des fois avoir une grosse maman chez soi, etc., dans une vitrine, bah, elle claque. Je déteste Akainu. La résine est juste magnifique. Et en plus, donc les vitrines créées par Gaëtan, de l'équipe du staff One Piece Passion, elles sont magnifiques. Après, donc le doc te gâte également avec des dessins. Le magnifique Crackers. Rien à redire. Et alors, la Luffy G4. La Luffy, moi c'est pareil, je l'ai vue comme ça avec un gros point, ouais, lol, hein, voilà, je l'ai vue comme ça avec un gros point. Franchement, elle me tentait pas. Bah, tu la vois en vrai, Nakama, tu fais. Tu faisais ça la Luffy, mais comment elle est trop belle la Luffy. Elle est magnifique la Luffy. Franchement, je te dis, je ne suis pas résine, je ne suis pas les gros machins là de 20 kilos, ou de voir 40 ou 60 kilos, enfin, je ne sais pas du tout le poids, mais tu la vois en vrai, tu fais. Tu fais respect. Honnêtement, tu dis respect. Respect de me montrer ça, de partager avec nous, parce que même pour les déplacer, ça ne doit pas être évident. Donc, tu retrouves également sur le stand du doc ces merveilleux dessins de Luffy Sled, hein, des belles litos très grandes. Hein, donc, ça... donc, ici, moi, j'ai choisi donc Rob Lucci. Et j'ai également choisi le Naruto Rasengan. Donc, je tiens à remercier Luffy Stud, le doc, pour ces deux petits cadeaux de Rob Lucci et de Naruto. Et après, si tu pensais que j'allais faire sans ma casquette Pikachu, tu vois tout le monde se balader avec la casquette Pikachu. Et toi, tu fais, mais elles sont où les casquettes Pikachu? Parce que moi, j'en ai pas eu. Elles sont où? Donc, Nintendo est très généreux de t'offrir une casquette en carton Pikachu qui s'arrache à la moindre petite occasion. Évoli, cool. Mais le problème, c'est qu'elle s'arrache tout de suite. Donc, c'est un petit peu gênant. Ils auraient pu quand même mettre une sorte de petit élastique ou autre. Parce qu'après, en fait, les casquettes, tu les vois par terre, complètement déchirées. Sur tous les stands, tu vois au moins une casquette qui est par terre et qui ne sera même pas recyclée, Pikachu. Et bah écoute, tu vois, je le déballe devant toi. J'ai gagné une Pokéball. Une Pokéball gonflable. Oui. Donc, je ne vais pas la gonfler maintenant, hein. Parce que de toute façon, tu vas bien voir que c'est une Pokéball. Hein. Ce n'est pas l'œil de Sasuke, mais c'est bien donc une Pokéball à gonfler que j'ai gagnée donc au stand de Nintendo. Juste à côté aussi, tu avais le stand Just Dance 2019. Donc, ce qui était rigolo, c'est que tu avais donc au moins une cinquantaine de personnes et tout le monde était là comme ça.
d'essayer de danser, etc., de faire les gestes. Et c'est amusant parce que justement, t'as pas la crainte de dire je vais me taper la honte ou je n'ose pas parce qu'il y a que deux ou trois joueurs. Comme tu as 50 personnes qui dansent comme ça, bah tu y vas et tu testes. Je pense que tu vas avoir un petit peu bobo ton... Tu vas être essoufflé. Un petit peu. Je pense que tu vas être un petit peu essoufflé sur le nouveau Just Dance 2019. Figure-toi que j'allais rater la Kitsume. Donc Diane, des Seven Deadly Sins. Donc Diane, qui était présentée limite à l'entrée hein, de la Mia. Et c'est une très belle résine également. Tu pouvais la précommander pour 429 €. Mais le staff est tellement gentil que je me permets de faire un tout petit peu de pub pour eux. Les achats alors, à part de la bouffe et du café, écoute, j'ai quand même trouvé, oui je sais, c'est une pop, une Funko Pop, je sais, est-ce que c'est une figurine, pas une figurine, en tout cas moi mon pirate adore Fairy Tail, j'ai tenu à lui faire plaisir, c'est rare de trouver quand même du Fairy Tail, de l'officiel, on va le dire comme ça, des prix raisonnables pour un enfant en bas âge. Il a été ravi et je tenais à te montrer donc cette petite Charlou ou Carla. Je vais te raconter maintenant une anecdote où Canute ne lâche pas l'affaire. J'avais promis au doc de toute façon de revenir après son interview car il a été interviewé par la RTBF hein, en direct. Je lui avais promis de revenir, de l'embrasser pour lui dire au revoir après cette interview et... Écoute, j'ai bien fait Nakama, j'ai bien fait, puisque donc je vois le stand en Kama toujours, hein, radiant. Et là, qui je vois quand même au stand de dédicace, Tony est là. Et là, la demoiselle dans Kama me reconnaît, puisqu'elle m'a quand même vue trois fois sur la journée, elle m'a vue ce matin tout de suite à 10h, elle me voit vers les 13h, et là elle me dit, bon écoutez madame, il a encore une interview, mais je vois que vous êtes motivée à rencontrer... Le créateur, allez-y, passez. Ne me dites pas que c'est pas vrai, madame. Me dites pas ça, c'est vrai. Très... Du coup, j'ai pu avoir donc la chance de rencontrer Tony. Donc, d'une gentillesse, mais d'une gentillesse très sincèrement abordable, disponible. Alors, il avait la crève, mais il était malade comme un... Il n'avait plus de voix. Hey, bonjour, je te dessine quoi? Je dis, écoute, tu me dessines ce que tu veux. Même pas, je lui dis, tu me dessines celui que tu préfères. Il dit, bah, écoute, moi je les aime tous. Donc je dis, bah, écoute, j'aime bien 7, j'aime bien. Je dis, bah, tu me les fais tous alors. Donc je dis, bah, tu t'as qu'à tous me les faire. Donc il, forcément, il rigole. Est-ce que tu lis Radiant? Est-ce que tu lis, est-ce que tu... Radiant, tu le regardes comment? En animé ou en manga? Je lui dis très honnêtement que je regarde en animé, car le seul manga que je lis, c'est One Piece. Il me dit, bah, très bon choix, moi aussi, je lis One Piece. Tu m'étonnes. Et puis le mec super abordable, malgré qu'il y avait la crève, il y avait... Franchement, il était malade, il tousse, etc. Il dit, oh, pardon, désolé. Je le fais rigoler avec ma pote en lui disant oh, « Non, mais donne tes micros, hein, Tony. Au pire, on se montre à lundi de dire « Hey, mais j'ai les micros de Tony Valence !» Donc, c'est pas un problème. Donc, ben voilà, l'ambiance est très sympathique dès le départ. Et puis, voilà, quoi, voilà ce merveilleux dessin. Donc, je vais me faire un plaisir d'encadrer. Ici, une petite signature sous mon vrai prénom, parce que je n'ai pas osé dire Canute. Non, j'ai pas osé. Merci beaucoup à Tony pour ce dessin, etc., que je vais me faire un plaisir d'encadrer. Donc, en tout cas, moi, la Made in Asia, j'ai adoré. Les prix sont abordables, les gens sont sympas. T'as de très beaux cosplays et puis tu retrouves quand même une ambiance bon enfant dans les conventions et ça c'est super. Il y avait de très beaux stands et puis j'ai fait des rencontres formidables, franchement. C'était la première fois que je rencontrais quelques-uns d'entre vous et j'ai adoré. En tout cas, merci à toi, merci d'avoir regardé donc cette petite vidéo, ce petit retour de convention. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Canute. Également de me suivre sur Instagram, Twitter et même Facebook.
Je te remercie, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse, à bientôt et merci à vous tous, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à rejoindre donc l'équipage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous !